Sur la scène, installée place du Capitole, Garou, Rock Voisine et Corneille reprennent le titre de Pharrell Williams. Le trio donne le coup d'envoi de la soirée événement, le concert de la fête de la musique diffusé demain soir en direct sur France 2. Sous un soleil de plomb, les artistes et techniciens font les dernières mises au point. On a un plateau avec à la fois les meilleurs, ceux qui étaient là l'année dernière, ceux qui reviennent, et puis des nouveaux. Donc il y a 33 artistes, 45 titres, et puis on a, ce qu'on n'avait pas l'année dernière, on a les références de la chanson française, Laurent Voulzy, Michel Fugain, et plein d'autres. Et pour la partie internationale, le groupe Texas, le phénomène mondial Luis Fonsi, ou encore ce duo suisse. Loin de la scène, cantonné derrière les grilles pour des raisons de sécurité, les curieux assistent aux répétitions. J'ai vu Corneille, j'ai vu Alma. Ben, je suis là depuis le début. Et voilà, et je serai là jusqu'à ce soir. 2 ans d'affilée, la fête de la musique à Toulouse, c'est bien. Comme l'an dernier, Garou va animer la soirée en compagnie de 2 autres animateurs de la chaîne. On n'est pas sur un plateau de présentation où il y a 3 animateurs qui reçoivent des artistes. C'est pas ça du tout l'esprit. On est 3 complices. Donc, Sidonie, Thomas et moi, on est 3 complices qui, limite, on subit la fête de la musique, dans le bon sens du mot. On vit une soirée exceptionnelle. Si vous ne faites pas partie des 17 000 chanceux à avoir réservé à temps votre billet gratuit sur Internet pour ce concert, rassurez-vous, la musique demain sera à tous les coins de rue.